Bon, début de sortie d'Attact. On est déjà venu là l'autre jour avec GLD et compagnie. On a trouvé du moderne. Bah, je vais quand même voir ce qu'il y a, quoi. Là, ils ont coupé le maïs. Allez, à toutes. Bon, première trouvaille, un morceau de grelot. Il est sympa, il a un petit dessin, un petit soleil. Bon, j'ai aussi trouvé des balles, des trucs comme ça. Je vais continuer un moment là. Allez, ciao. Bon, première monnaie, je crois, ouais, première monnaie du jour. Alors, je sais pas ce que c'est. Ça m'a bien l'air d'être un bats. Quelque chose du genre. Ouais, bats du canton de Vaud. Bon, je suis content, première monnaie, elle m'a l'air pas mal du tout. Oh yeah! Ciao! Bon, encore une petite trouvaille sympa, une petite monnaie française, 1943, trouvée au milieu. Donc ça, j'avais pas. Donc je suis content. Putain, je suis mis à l'envers aujourd'hui, ça va pas. Allez, je continue. Ah, encore une trouvaille sympa, avec un petit gland là. Je sais pas trop ce que c'est. Ah, c'est joli, j'aime bien. Allez, je continue. Bon, nouvelle trouvaille sympa, je suis content. Il est un peu tordu, mais c'est vraiment cool parce que c'est un de ces machins de fusil, quoi. Qui va au bout du fusil, je crois. Donc j'en ai déjà trouvé trois, mais celui-là, il est intact, mis à part qu'il est, ben, il est tordu, quoi. Cool. Allez, je continue. Bon, encore une petite trouvaille sympa, un bouton. Avec des petites décos, là. Il pleut juste pas, donc je suis content, quoi. Allez, je continue encore un moment, puis je me déplace. Ciao. Encore une petite monnaie sympathique, Napoléon en argent. La date, 1867. Elle est en parfait état, j'ai envie de dire. Là, je suis content, j'ai pas. Allez, je continue. Bon, ben voilà ce que j'ai fait la première partie de tech de la journée. Donc, je me suis déplacé pour manger. J'ai fait trois monnaies. Une de 1800 et quelques, Batson, une Napo et puis une française. Voilà. Et puis un truc de fusil là qui est sympa. Bon, je vous reprends un plus là, je vais manger des cochonneries et je vais recommencer. À tout. Bon, petite découverte rigolote, une Casio ancien style. Ça me fait bien rire. Japan. Bon, je viens d'arriver, on verra ce que je trouve. Allez, à plus. Encore une petite trouvaille, il commence à pleuvoir, c'est la merde. Mais bon, j'en fais quand même. Italienne, on a lu. Bon état. Allez, je continue. Bon, encore une petite monnaie, 1911, alors je sais pas ce que c'est. Bon, on voit bien, mais il faudra voir ça après nettoyage, quoi. Mais c'est sympa. Allez, je vais continuer une heure ou deux. Ciao. Encore une monnaie. Bon, alors les arbres, on dirait une Napoléon, d'ailleurs, c'est presque sûr que c'est une Napo. Mais je sais pas si vous voyez, elle est complètement fautée, quoi, ou je sais pas. On dirait une fausse, je sais pas. Bon, allez, je continue. Bon, encore une, ce qui pourrait ressembler à une Napo, quoi. Presque certain. Il y en a un peu déchigné derrière, mais autrement, en bon état. Ouais, je continue. À côté du napo, ben, une petite boucle. Une boucle de ceinture. Voilà, sympa. La terre est bien noire ici. Mais alors, on creuse comme dans du beurre. Oh yeah, je continue. Bon, là, ça fait une heure que je trouve pas grand-chose. Bon, du chenille, en gros, quoi. Donc, je vais un peu commencer à rentrer. Voilà. Des boutons, du merdier, des fers à chevaux. Je crois qu'il est temps de rentrer. Il est temps de rentrer à part ce bel anneau, bel anus. Voilà. Bon, allez, ciao à toutes. Oh yeah. Bon, dans l'autre trou j'ai fait ça. Puis là je viens de faire un dé, enfin une bague à coudre. Je suis content, un parfait état. Oh yeah. Haha. Comme petit trouvaille. Oh yeah. Je viens de faire encore deux monnaies et puis un plan de sac. Bon, je vais bientôt y aller. Oh yeah! Ciao!